us for mad years. One love, yo. Yeah, that's right, he's got game. P.E. 1998. If man is the father, the sun is the center of the earth, in the middle of the universe, then why is this verse coming 6 times rehearsed? Don't freestyle much, but I write them like such. Word. Amongst the fiends controlled by the screens, what does it all mean, all this shit I'm seeing? Human beings screaming vocal javelins, sign of a local nigga unraveling. Uh-huh. My wandering got my ass wondering, where Christ is in all this crisis. Hating Satan never knew what nice is. Check the papers, well I bet on ISIS. More than your eye can see and ears can hear. Year by year all the sense disappears. Nonsense perseveres, prayers laced with fear. Beware, 2 triple O. It might feel good, it might sound a little something, but damn the game if it don't mean nothing. What is game? Who got game? Where's the game in life? Behind the game, I got game, she got game, we got game, they got game, he got game. It might feel good, it might sound a little something. Excuse-moi. Excuse-moi. Oui. Je crois que t'as fait tomber quelque chose. Quoi? T'as fait tomber mon cœur. C'est pas très gentil, ça. Tiens, je te le rends. Tu devrais le garder. Ça servira plus qu'à moi. Oh, ça va ou quoi les voyous? Zer, bien? Tu vas où comme ça? Paname. Paname? Tu me prends pour un cave ou quoi? Tu vas faire quoi à Paname? Des trucs, t'inquiète. Ton daron, ça fait combien de temps que t'as pas été le voir? Depuis qu'il m'a foutu à la porte. Et tu sais quoi, Zer? Je veux plus que tu me parles de mon père. Ça y est, je suis un grand garçon maintenant. Alors écoute-moi bien, grand. J'entends grave des trucs sur ta gueule. Les gens, ils disent que tu respectes plus rien ici. Je commence sérieusement à croire que c'est vrai. La meuf que t'as accostée, tu sais c'est qui? C'est une meuf. C'est Leïla, la sœur du grand Jamel, abruti. Tu le sais très bien. Et alors, c'est pas sa meuf? S'il apprend ce que t'as fait, je pourrais rien faire pour toi. Écoute, Zer, j'ai pas besoin de toi pour me défendre. Depuis tout petit, t'es là, tu me fais la morale. Faut pas faire ci, faut pas faire ça. Et toi, t'es là, tu tiens les murs. Et puis pour ceux qui parlent sur ma gueule, bah tu peux leur dire que je les attends. Tu lâches pas l'affaire, toi, hein? Quelle affaire? Je vois que nous deux ici, là. Tu vas où comme ça? Je vais au taf, et toi? Pareil. Ah bon? Tu taffes dans quoi? Dans la finance. Laïla, je peux te poser une question? D'où tu connais mon prénom, toi? Tu crois au destin? Ouais, et? Non, parce que moi, j'y crois grave. Tu sais, dès que je t'ai vu tout à l'heure, j'ai eu un vrai coup de foudre. Allez, arrête ça. Tu t'appelles comment? Max. Bon, écoute, Max. Tes plans de drague à 2 balles, ça marche pas avec moi. Je crois au destin quand c'est pas provoqué et en l'amour quand c'est réciproque. Et si je me mets avec un mec, faut qu'avant tout, on s'aime. Mais moi, je t'aime. Te vexe pas, mais je crois que t'es plutôt du genre à aimer toutes les femmes et à être incapable d'en aimer qu'une. Thank you.
Sir, please, could you take a picture for me? Okay. Well, okay. Yeah, thank you. Je te dis. Excuse-moi. Ouais. Tu te souviens de moi? Tu m'as suivi? Non, rien à voir. Putain, j'y crois pas, tu m'as suivi. Ouais, je t'ai suivi. Et alors? Eh, ça va, flippe pas, je suis pas un psychopathe. Je voulais juste te parler. Et depuis tout à l'heure, là, tu m'attends? Ouais. Franchement... Je crois que j'ai bien fait. Tu crois au destin? Tu crois au destin? Franchement, c'est nul comme accroche. T'aurais pu trouver autre chose. Eh, hey, mais dis-moi au moins comment tu t'appelles? Judith. Enchantée, Judith. Moi, c'est Max. Un de ces jours, Max. Thank you.
sais, il y avait un prof de maths aussi. Un petit, avec des lunettes. Un petit? Ah ouais, monsieur Lambert. Ouais. Ouais, maintenant lui s'occupe des sixièmes. Tu sais que lui m'a mis la misère. Et sinon, les cours, ça se passe bien? Ouais, t'inquiète. Et à la maison, ça se passe comment? Comme d'hab, hein. Ils se prennent toujours la tête. Tu sais, maman, elle aimerait bien que tu montes à la maison. Pas maintenant. Je peux pas, là. Tu lui diras que je passerai. Ok. Je lui dirai. Bon, petit frère. Je vais y aller. Allez, monte, sinon maman, elle va s'inquiéter. Max, c'est quand que tu rentres à la maison? Allez, monte. Et fais tes devoirs avant de sortir. Tu veux un renseignement? Non, merci. Tu viens pour les auditions, c'est ça? Audition de quoi? Bah, le théâtre. Théâtre? Ici, c'est le Conservatoire de Théâtre de Paris. Il y a 2 sessions par an pour les comédiens. Non, mais t'inquiète, je veux pas être comédien. Bah, tu devrais. T'as une vraie gueule. Belle scène. Ah, mais elle m'a donné des frissons, cette scène. Elle est trop belle. Mais tu sais quoi, il faut absolument qu'on la passe, là, pour le national. T'en penses quoi? Ouais, mais grave. Ouais, mais grave. Mais je voulais proposer, est-ce que ça te branche de bosser du Tennessee Williams avec moi? Parce que je voulais bien passer en ouais, temps. Ouais. Tu sais, ça va, cousin? Ouais, ça va, et toi? T'as passé les auditions et t'as été pris ici? Ouais, ouais, je suis en deuxième année. Pourquoi? Non, je demande ça comme ça, c'est tout. Tu viens d'où? Comment ça? Tu crèches où? Paris, 6e. Eh non, je veux dire, t'as grandi dans quel quartier? C'est ce que je viens de te dire. Paris, 6e. Quartier de Saint-Germain-des-Prés. Et toi? Bonjour. Et bien, coucou. Ça va? Salut ma poule, ça va? Tu l'as pas vu, Ahmed? Si, il t'attend devant la salle Marivaux. Ok, tout à l'heure. À toutes. Donc, bon, on se voit tout à l'heure, genre vers 5h, parce que moi je connais déjà le texte, et on se calme et répète. Ouais, mais ouais, moi la semaine prochaine je suis dispo, faut qu'on essaie de se caler un maximum de répète. Parce que... la salle longtemps. Tu l'as jusqu'à quelle heure? Je sais pas, 20 minutes, un truc comme ça. 20 minutes? Ouais. Ah, c'est ouais. Pas grave, on déroule le texte, ça nous met en jambes. D'accord. On a du temps encore, mais c'est bien de le faire sur le plateau, je trouve. Moi, je le prends, je t'attends ici. Thank you.
Me ferez-vous la grâce, Don Juan, de vouloir bien me reconnaître? Et puis-je au moins espérer que vous daignez tourner le visage de ce côté? Je vous avoue, madame, que je suis surpris et que je ne vous attendais pas ici. Oui, je vois bien que vous ne m'y attendiez pas. Et vous êtes surpris à la vérité. Mais tout autrement que je ne l'espérais. Et la manière dont vous le paraissez me persuade pleinement ce que je refusais de croire. Mais enfin, cet abord ne me permet plus de douter, et le coup d'œil qui m'a reçu m'apprend bien plus de choses que je ne voudrais en savoir. Je serais bien aise pourtant d'ouïr de votre bouche les raisons de votre départ. Parlez, Don Juan, je vous prie. Et voyons de quel air vous saurez vous justifier. Je vous avoue, madame, que je n'ai point le talent de dissimuler. Je suis désolée. J'ai un message. Qu'est-ce qui se passe? Je dois y aller. Il n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode et tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur. Vas-y. Il n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode. Tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer aujourd'hui. Et la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art de qui l'imposture est toujours respectée. Et quoi qu'on la découvre,
on n'ose rien dire contre elle. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure. Et chacun a la liberté de les attaquer hautement. Mais l'hypocrisie est un vice privilégié qui, de sa main, ferme la bouche à tout le monde et jouit en repos d'une impunité souveraine. Je m'érigerai en censeur des actions d'autrui. Jugerai mal de tout le monde et n'aurai bonne opinion que de moi. Dès qu'une fois on m'aura choqué tant soit peu, je ne pardonnerai jamais et garderai tout doucement une haine irréconciliable. Je ferai le vengeur des intérêts du ciel. Et sous ce prétexte commode, je pousserai mes ennemis. Je les accuserai d'impiété. Max. Et serai déchaîné contre eux des élèves indiscrets qui, sans connaissance de cause, crieront en public contre eux, qui les accableront d'injures, les damneront hautement de leur autorité privée. C'est ainsi qu'il faut profiter des faiblesses des hommes et qu'un sage esprit s'accommode au fils de son siècle. Max. Max. Oh, derrière. Jamel, bien. Les chiens, on les tient en laisse. Bonne soirée, mon frère. Allez, monte. Thank you.
Molière. Ouais, Molière. Mais je suis comme toi, je préfère Shakespeare. Comme moi. C'est-à-dire? Shakespeare, c'est plus violent. Plus sanglant. C'est plus actuel, comme toi. Ah ouais, ça... Ah, mais j'ai eu un accident de scooter. Le livre que tu lis, là, c'est Don Juan? Ouais. C'est le personnage que je travaille. Tu travailles quoi, toi? Non, mais moi, rien à voir. Je suis pas comédien. Je suis venu voir Judith. Tu sais pas quand est-ce qu'elle va arriver? Elle va arriver, on doit travailler, elle est en retard. C'est chaud de jouer donjon. Tu connais? Ouais, vite fait, j'ai lu. Mais j'ai pas tout compris, en fait. En général, les gens, ils se font une idée simple de Don Juan. Basique. Don Juan, infidèle, séducteur. En fait, Don Juan, si tu le travailles vraiment, si tu le lis, c'est un personnage beaucoup plus violent. C'est un mec qui défie tous les codes. C'est un rebelle, Don Juan. Par ses choix, il se croit libre. Et par ses actes, il s'emprisonne. Il est perdu, en fait. Si tu veux, ouais. Mais c'est quoi son délire avec Elvire? Elvire, c'est une fille du couvent. Lui, il va la draguer. Il la sort du couvent. Il lui fait plein de promesses. Et après, il l'abandonne. Elle, elle va se venger, elle va envoyer ses frères. Pour le tuer. Bon, en fait, moi, je trouve que la fin, elle est bidon. Ce que tu vois, Don Juan, ça se voit qu'il est amoureux d'Elvire. Ouais. Ouais, si tu veux, ouais. Eh, tu veux pas regarder la scène, là? Je vais faire la scène avec Judith, tu nous fais l'œil extérieur. Bah ouais, pourquoi pas. Ça va, j'ai proposé à ton copain de faire l'œil extérieur. On y va? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai des amis qui me trouvaient trop beau. Mais enfin, cet abord ne me permet plus de douter. Et... le coup d'œil qui m'a reçu m'apprend bien plus de choses que je ne voudrais en savoir. Je serais bien aise pourtant d'ouïr de votre bouche les raisons de votre départ. Parlez, Don Juan. Je vous en prie. Je vous avoue, madame, que je n'ai point le talent de dissimuler et que je porte un cœur sincère. Je ne vous dirai point que je suis toujours dans les mêmes sentiments pour vous et que je brûle de vous rejoindre. Car enfin, il est assuré que je ne suis parti que pour vous fuir. Non point par les raisons que vous pouvez vous figurer, mais par un pur motif de conscience. Et pour ne croire pas qu'avec vous davantage, je puisse vivre sans péché. Il m'est venu des scrupules, madame. J'ai ouvert les yeux de l'âme sur ce que je faisais. J'ai fait réflexion que, pour vous épouser, je vous ai dérobé à la clôture d'un couvent. Vous avez rompu des vœux qui vous engageaient autre part et que le ciel est fort jaloux de ces sortes de choses. Le repentir m'a pris et j'ai craint le courroux céleste. J'ai cru que notre mariage n'était qu'un adultère déguisé, qui nous attirerait quelques disgrâces d'en haut, et qu'enfin je devais tâcher de vous oublier, et vous donner moyen de retourner à vos premières chaînes. Voudriez-vous vous opposer, madame, à une si sainte pensée, et que j'allasse en vous retenant me mettre le ciel sur les bras? Sache, Don Juan, que ton crime ne demeurera pas impuni. Et que le même ciel dont tu te joues me saura venger de ta perfidie. Madame. Il suffit.
je n'en veux pas ouïr davantage. Et je m'accuse même d'en avoir trop entendu. C'est une lâcheté que de se faire expliquer trop sa honte. Et sur de tels sujets, un noble cœur au premier mot doit prendre son parti. N'attends pas que j'éclate ici en reproches et en injures. Non, non, je n'ai pas un courroux à exhaler en paroles vaines. Et toute sa chaleur se réserve pour sa vengeance. Je te le dis encore, le ciel te punira. Perfide, de l'outrage que tu me fais. Et si le ciel n'a rien que tu puisses appréhender, appréhende du moins la colère d'une femme offensée. Alors ? Bah, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment bien. Je sais pas quoi dire, en fait. Et au niveau de l'interprétation, les personnages, les rôles ? Bah, en fait, si je devais dire un truc, c'est que je trouvais que le personnage de Daniel Vire, il souffrait pas assez. Manquait quelque chose, je crois. Mais tu connais quoi, en fait ? Te vexe pas. J'avais juste l'impression que t'avais la tête ailleurs. C'est tout. Allez. Hop. Attends, Judith ! Judith, attends ! Tu me veux, toi ? Hein ? Sérieux, je te connais pas, t'es là, tu me bouscules, tu me suis, tu t'incrustes pour me voir jouer. Mais tu vois pas que je m'en fous de toi ? C'est ça qui manquait, Olivia. Quoi ? Il manquait quoi ? La colère. Il manquait la colère. C'est genre Judith.